Thank you.
Le numéro 15, Benoît Brugman, cède sa place. Le numéro 11, Benoît Brugman, cède sa place au numéro 15. Allez, Mathieu, Mathieu! Allez!
Genoa, ben voilà, c'est un mauvais résultat et on peut même pas dire que Accra ils volaient son point. Hein. Non, je pense qu'ils prennent un point ici et c'est mérité pour eux. C'est une bonne contre-performance pour nous et malheureusement, on s'était dit au début que c'était un match piège, mais on n'a pas su faire les choses comme il faut pour sortir de ce piège. Donc voilà, on ne mérite pas 3 points aujourd'hui et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'avait jamais réussi vraiment à prendre le match en main, à dominer. Ouais, c'est vrai, on n'a jamais posé le jeu. En première mi-temps, en général, bah, on aime bien un peu faire circuler la balle. Le terrain était pas mal, ça glissait bien. Mais bon, ils étaient là aussi en face. Il y avait une équipe qui est dernière au classement, mais visiblement, on n'a pas vu la différence aujourd'hui. Donc, ils nous ont pas vraiment laissé jouer au foot. On n'était pas là dans le deuxième duel. On n'a pas fait les efforts nécessaires. On s'est cru peut-être un peu trop beau. Voilà, je pense qu'on est premier, on joue contre le dernier. Peut-être que certains se disent ça va aller, mais finalement non. Même inconsciemment. Oui, inconsciemment, parce que voilà, on s'est dit les choses avant le match, pendant la semaine. C'est un match piège, ça va être difficile. Donc peut-être qu'inconsciemment, ben voilà, on s'est dit c'est les derniers. Contre la Calamine, dernière fois le soir, ça s'est bien passé. Pourquoi pas aujourd'hui? Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et finalement, ben, on se retrouve un peu bête aujourd'hui. Alors que le plus difficile avait été fait, parce que vous reprenez l'avance en début de seconde mi-temps, on se dit, bon ben voilà, ça va dérouler comme d'habitude vers la tribune des supporters. Ouais, mais on n'a pas fait les efforts pour remettre un troisième but. On n'a pas fait les choses comme il fallait. Même chose qu'en première mi-temps, on est retombé un peu dans nos travers, pas gagner le deuxième duel, pas garder la balle devant, un peu s'exciter sur tout et n'importe quoi alors qu'il n'y avait pas raison de le faire. Au lieu de poser le jeu au sol comme on sait le faire d'habitude depuis le début de saison, ben voilà, on a fait les choses qu'on ne fait jamais. Et c'est pas notre habitude cette année de contre-jouer comme ça et de contre-prester comme ça. Donc voilà, semaine prochaine, il faut rebosser convenablement.